ISO. Mais haïtien a toujours été haïtien. Pendant bel artiste comme ça fin mourir. OK, tout pays est triste. Kounya là, ça nous veut faire kounya là, son boss nous veut créer. Nous avons dit au kidnappé cousin, ça qui arrive au kidnappé cousin vrai, pas dire pas kidnappé cousin non. Moi gros journaliste Fatra, journaliste, ça va journaliste. Gros Fatra Canada, on Fatra sale. Tire les John Connor mort. En pile gros événement passé pendant journée ça. Malheureusement m'a ba nous des trois nouvelles là qui pral fort très triste. Mais en côté m'a bon exercice tout parce qu'on cap poser tête tout quelques questions. Mais vite répondre. Sou capable commenter, répondre dans commentaire. Mais sou pas capable tout. Just que mes réponses en dedans. Mesdames, mademoiselles et messieurs, gagnent pour pipiti. Yon monsieur là qui c'est un commissaire de police. C'est commissaire de police tabac. Citoyen Sahara qui malheureusement est bandit armé assassiné monsieur jeudi mardi en là 18 octobre là. C'est commissaire de police de la Croix des Bouquets Bac Angelo qui malheureusement perdu la ville devant maison devant caille qu'elle a évolué. Et en pile information t'a voulu faire croire que moun qui t'a censé assassiner citoyen Sahara. Et policier ça qui pratiquement toujours un bon travail qu'elle a fait en bas dans la commune là. C'est à monsieur vite l'homme par rapport à plusieurs contrôles que le commissaire t'a déjà a mettre sous yo et fait rater plusieurs événements. On va le bon détail sur ça. Il y a également mesdames messieurs le chef de village des dieux à savoir Iso citoyen ça qui fâché Koukong. Monsieur fâché dans tout dernier niveau. Monsieur estomaqué sous John Colin Morvan qui pratiquement c'est une journaliste parmi tout le monde qui t'a parlé de ça qui vient à quoi avec kidnapping cousin Michael Benjamin à savoir Mika Ben qui pratiquement cousin là qui était kidnappé et selon Ti Joseni c'est une raison qui t'a la cause que zami nous frère nous grand artiste ça la grande personnalité ça il t'a fait voile pour pays sans chapeau. Mesdames, mademoiselles et messieurs, Iso Village de Dieu parlez. Monsieur, ça fait plusieurs temps à expliquer. Et me garantis, monsieur fâché. Monsieur fâché dans le dernier niveau. Personne ne monde pas capable de faire monsieur rester en paix. Puisque monsieur est quoi? C'est seul événement ça qui est capable de faire haïtien voyer Mikabe dans l'air comme ça. M'bral bon détail, même m'bral qui t'attendait. Mais fais-moi confiance. Bagala pas trop belle. Bagala pas trop facile pour t'attendre. Pour voir comment nèg ici t'a gain pouvoir, pour voir comment nèg yo arrogant, je vais expliquer, il y a moun derrière, il pas dans bagaille ça yo, il y a pile moun k'ap suivre li, dans moins que 4 jours, il gagne presque 300 000 moun k'ap gade vidéo et sincèrement, il commencé faire lion et YouTube à Facebook commencé toujours à payer. Donc, c'est un type arrogant malheureusement qui vini par faute non. En outre de monsieur je vais venir avec détail. Je vais venir. Iso. Mais, haïtien a toujours été haïtien. Pendant un bel artiste comme ça fin mourir, ok, tout pays est triste. Kounya là, ça nous veut faire Kounya là, son boss nous veut créer. Nous avons dit au kidnappé cousin, ça qui arrive au kidnappé cousin vrai, je ne vais pas dire au kidnappé cousin non. Moi, gros journaliste Fatra, journaliste, ça va journaliste. Gros Fatra Canada, on Fatra sale. Tire les John Connor mort, on n'est pas quoi nous, hein? On va finir comme nous Fatra ça ou bien. Directeur, il dit, ils ont complice, l'un l'amour, Mika Ben, gros cousin Mika Ben qui l'a même. Ça veut dire, quand on t'a parlé de journaliste là, et, m'a remis qu'on est là. Qui pourrait vous gagner, qui faut dire, c'est Iso qui kidnappe famille Mika Ben, li tap parle avec nan téléphone, li tap négocie ensemble avec Iso. On dit non bagay. M fait vidéo ça. Moi von Fatra. Et pas comme si pour m'mande pardon, non, bon Fatra ça loué. M pa fait vidéo ça pour m'mande ken haïtien. Bye. Parce que moi gen musique, moi l'aime faire musique moi gen moun ki répond ki di
Oh, et on te met te fait 10 000 musiques, peut pas ici, pas je me badonne. Bon, peut pas ici, tête yo, yo va ka guider tête yo, va ka pardonner tête yo. Bon, qui sont haïtiens qui a fait pour moi? Non, qui, li ka benim, li ka fait m'beni, li ka fait maudit. M'a besoin de bénédiction, mais haïtien. Ouais, dans deux. Condamné crété journaliste par contre qui va passer au journaliste ça qu'a fait tweet on a dit OK ils ont kidnappé cousin Mikabel nous va quand musique de faire mais puis à terre les me font bagaille me capi d'elle c'est pas base dit lui maintenant donc on est si l'aime dit comme si le mouvement bagaille pété coup de balle s'il était la même d'abord dit oui l'aime dit comme bah pour pendant pour bagaille artiste là et millions sur millions. Mes dernières musiques me fait que sorti là hit combien moun là de là 280,000 moun nous de là 280,000 moun samedi am sorti ouais ça veut dire toute bagaille iso ouais mes cabine moi même depuis petit OK mien nèg ça ou ti jo tout nèg ça ali et fanatique nèg ça au mieux m toujours suivre tout bagaille ça ou après mes cabine Aïssé pas de gens à parler de lui. Et qu'on sait Aïssé Fatra et même. Ou pas de la victime de la bonne mourir là. Et laisse à tout terrain. Elle dit Fatra, ça y est qu'on sait. Ou s'entende citoyen ça qui chita col en l'air. Dans le village de Dieu. Bon, en bas, dans le village de Dieu. Qui pratiquement. Monsieur ou bien élément ça qui toujours exprime. Qui toujours voulait faire comprendre, voulait faire ouais. Mais comment camper lui-même? Il camper en zone plein dingue, il camper en 4-4-2, même en zone devant, personne monde pas capable de faire tourner sous décision. Mesdames, mademoiselles et messieurs, malheureusement pour la République d'Haïti, élément ça, j'étais censé camper sous boîte orgueil et la passer peuple haïtien en bêtise. Comment expliquer nous? Comment tu as comprendre, monsieur a expliqué mesdames messieurs. Lui-même personnellement, lui pas entré dans la logique ça. Et d'ailleurs, si c'est lui-même qui t'a kidnappé frère, tout de suite après la mort tragique ça, eh bien, mesdames, messieurs, il t'a pris le montré mounio. Donc, mais qui ça, lui qu'a fait? Quand il t'a libéré cousin, Frédéric. Mesdames, messieurs, John Colin Morvan qui, monsieur t'a expliqué selon Avipal, monsieur t'a dit, est-ce que nous te connaissons? Frédéric Dupou, alias Fredo, qui c'est cousin Michael Benjamin, qui habitait même côté à lui, et puis bon ami lui. Monsieur Obaï pour Izoa, donc t'es kidnappé, et pratiquement, et depuis le ça, les monsieur Mika, ou bien Mika Benfin apprend nouvelle ça, et bien mesdames, messieurs, personne moun, pas à l'aise dans la famille spécialement. Mikaman. Et bon, avant de aller plus loin pour te dire, Fredo c'est parrain de mariage Mika et parrain petit Yak et cousin. Il était avant monsieur Mouté sous scène là, il a expliqué monsieur mes côté Frédéric, il a kidnappé monsieur. Et monsieur Dimounio, nouvelle là fait le senti qu'elle a palpité très fort et tout le monde dans route frère ta en deuil. Non seulement Mounio a crié pour Mika, eh bien, il a crié tout pour cousin. Jusqu'à présent, personne n'a pas expliqué qui est lié, qui côté lié, qui ça l'a fait. Donc, Iso, village, monsieur parlé, monsieur dit en pile causé, monsieur démenti, n'a qui t'a comme quoi fait mouvement ça. Et, il y a une pile tristesse. Après dire, ça fait mal pour Jean et situation yi pour Jean situation a déroulé tout côté dans la coupe Port-au-Prince. En tout cas, donc Napton qui action pour le poser jusqu'à famille par contre qui sait pour le relais dans moment même n'a parlé à là mesdames messieurs. Ça a passé tabar. Jeudi 18 octobre 2022. Le commissaire de police de la Croix des Bouquets, Bac Angelo,
malheureusement, monsieur assassiné dans matin ça a bien bonheur devant la caille lui-même dans tabac. Et en pile mon a expliqué selon la oui dire. Il dit que c'est un gang vite l'homme qui a opéré surtout dans territoire ça qui t'a la cause deuil ça qui tombé dans famille Angelo. Plusieurs responsables de la police nationale d'Haïti ont déjà été tués à Tabar et Kouadebouquet. Malheureusement, deux zones ça qui considérées, mesdames, messieurs, comme zone rouge, qui c'est une zone côté en pile problème toujours passé. Et nous sommes capables de citer en pile commissaire, en pile monde qui mourit déjà. Mais nous sommes parler de commissaire Robert Plaisimon. Et nous t'ai parlé de inspecteur Réginal Lalo. Et nous t'ai même parlé de Robert Médard qui pratiquement perdu la ville. Et en tout dernier lieu, ce victime là, à savoir monsieur ça qui pratiquement c'est commissaire en bateau Bac Angelo qui expliquait et donc malheureusement qui est entré dans le lieu du silence en ce moment même. Par rapport à petit malfrat sa yo qui pa jam suspend fait crime, qui pa jam gen capacité pour réfléchir. Et tout moun dit c'est une nèg qui te compte insécurité à nan Croix des Bouquets. Monsieur te fait un pile de marche et monsieur dit donc selon lui-même ni pa ta pral jam kite bandi fait l'obéi. En tout cas monsieur yo nous ta souhaité nous suspend maltraiter population parce que moun ki gen gros amyo la moun ka fè crime yo la mais nous même en soi il faut que nous fassions de mouvement pour nous aider population parce que yo pa gen yen moyen pour aider tèt yo yo pa gen yen sensation assez donc pour faire des démarches mais plutôt yo gen yen pour avancer yo gen yen pour faire de c'est bouche seulement on peuple qui pas rien on peuple qui souffre qui pas un courant qui pas électricité qui pas sécurité qui pas la santé qui pas manger qui n'a rien mesdames messieurs on peuple comme ça qui a manifesté m'a dit un policier pour se soit faire travail mais c'est à lever la main et quitter peuple à lui-même personnellement li bataille il fait tout ça capable proprement dit pour capable et avancer. Donc sinon, ou contribuer dans problème, échec, dans difficulté, population a enduré depuis quelques temps. Malheureusement, pas gain souvent des gouvernements qui souvent fait des trucs pour voir qui ça ou ta capable faire pour ta empêcher bagay ça ou continuer dans la cour Port-au-Prince pour bagay ça ou continuer peser sur monde qui a fait mal. Mais en tout cas, et mérite quoi que Haïti pas seulement besoin de monde qui capable changer scrupule mais Haïti besoin de monde tout qui capable intégrer société a pour voir qui ça ta ka fait pour arranger société a pour empêcher que société a li tombe en dégrabat en souffrisqué chaque jour, matin, midi et soir. En tout cas, pour s'imposer comme des références normales, à partir de ce moment-là, les déviants seront isolés et considérés comme tels. Merci. Mes amis, moi, je suis à côté de docteur, pas respecter tes moyens pour ne pas saluer. Jotte avec Lily Célestin, deux jumelles qui sont deux petits seuls. Parce que je ne vais pas avoir les jumelles à l'Omarim, je parler pour me saluer. Et moi, ça fait une semaine, côté moi sollicité plusieurs interviews. Et interviews à l'Omarim, je dédié pour toute bataille en un pays d'Haïti, pour toute force progressiste en un pays d'Haïti, tant qu'on est en diaspora. Nous arrivons au moment côté patriote. Côté progressiste, ils ont condamné pour prendre responsabilité.
moi-même non seulement comme patriote, non seulement comme coordonnateur initiative patriote malien, j'ai décidé pour la responsabilité. Vous autres, moi, c'est mon tableau là, tableau ça, les gagnants origine. Origine, c'est modèle société fausse côté là, qui plante une économie qui gagne une violence totale là-dedans, et violence ça, les répliquer en dehors société. Mais conjoncture, ça peut vivre là-dedans, c'est une conjoncture qui gagne une mise en scène. C'est un théâtre lié, mise en scène, là, lié, metteur en scène, là, et les bails, une série d'acteurs jouer au lieu. Comment expliquer ça? Théâtre, là, qui a joué, monde qui a fait mise en scène, metteur en scène, là, c'est les fonctionnaires de l'international. Mes amis, Pierre Venel, guerrier, on nous a posé cette question qui est intérêt international à gagner pour lui faire ça la fin en deux pays d'Haïti que un peu le monde qui a le numéro théorie relé ça chaos. Haïti, m'a fait pour très rapidement. Haïti, c'est un plus grand marché dans la question humanitaire dans mon grand. Les simples. On parle carrément d'un fonctionnaire international pour aller faire l'argent en Ukraine. La bombe a tombé pour aller côté État islamique à Ferraille. Mais en Haïti, tout bagaille se coule douce. Et pour s'arrêter, il faut que gagner éléments de troupe là-dedans parce que on va gagner en pile l'argent qui va circuler. À nous faire une comparaison tout petit. L'ONU, pendant 2 ans, 11 mois, on a dit 3 ans, budget, c'est 88 millions de dollars. Ministre, pendant 13 ans, budget, c'est 7,2 milliards de dollars. Sur fond de division, ou après l'ONU, par an, budget, c'est entre 30 millions de dollars, tandis que ministre, budget, c'est entre 550 millions de dollars à 600 millions de dollars l'an. Haïtien des tendances pour yon différencier avec l'autre union, comme quoi l'autre union, bam, l'autre union, c'est pas mon union. Yon moun comme tout, yon gen de si intérêt que yon défend. L'on gagne un secrétaire général l'ONU. Les 26 ans, ils se conduisent si plus, qui partent gagner un bon job. Si 100 000, qui partent gagner un bon job. Haïti, c'est nos machines, pour quel que soit niveau de qualification, nous avons, ils ont fini bien bon job en d'un pays d'Haïti. Député Célestin. Député Célestin, c'est comme si moi, on a fait exactement le même bagaille avec ça, nous habitués, et étendez à chaque fois où on responsable ou un monde qui a une responsabilité dans l'État à un moment donné, c'est pas lui-même, c'est pas moi-même, c'est l'autre lente, comme on a dit là, c'est blanc, mais ou même comme le monde qui a fait. Faut que c'est un moment. Ok. On va aller vite parce que ça m'a dit. Pédagogie qui peut permettre que oui mais là pas ouais responsabilité nous-mêmes pas ouais responsabilité ouais éducation qui est fondement donc on va le côté lever OK mais on y vient placer en bonne tant qu'on vit ses amis et famille qu'on décide qui va bien job et au même temps pour jouer l'argent pour assurer retraite maintenant. Pour ça fait, il faut y un allié. Il faut décider en série de rôles. Ariel Henry joue un gros rôle. Mais joue un gros rôle, mais il n'est pas seul. Des gens qui ont fini à contre discours réducteur, comme quoi Ariel Henry a Gambio, c'est yo, mettez-nous là à partir de 7 octobre qui pourra continuer vers l'occupation territoriale. C'est pas vrai. Il y a d'autres mondes qui joue un rôle pour nous continuer. Ariel Henry comme un monde qui a une haute responsabilité, un haut héritage. En 2020, Jovenel Moïse a
travers institution qui est le CNDDR là, ils ont créé Fédération des gangs. Et Fédération des gangs ça, ils prennent une marine. Marine là prennent Hélène Lalim. Hélène Lalim prennent côté Gangio, prennent baptiser Gangio. Et ils disent c'est bon bagaille. À cause de Gangio, réduction violence. Pourtant, nous tous connaissons que Gangio, Gangio, c'est ils ont capturé, ils ont violé, ils ont même kidnappé. Il a créé une situation pour nous rentrer dans sa nuit là. Et Ariel Henry, avec les gens qui ont importé des armes, 20 munitions, ils ont facilité pour nous alimenter Gangio, pour Gangio jouer partition par eux. Ariel Henry a accéléré la situation hein, pour nous rentrer dans une période, Jean Wenoui là, gaz difficile. Donc là, le jour que va rebloquer, c'est parce que gang pas blindé, gang bloqué va rebloquer. Mais nous capables de faire une analyse qui est très simple. Si va rebloquer comme si puissance de feu, la police nationale est inférieure à puissance de feu gangio, ils ont organisé un paquet d'opérations policières qui soldent par échec pour montrer donc que la police nationale dépassé par événement, ils ont créé, ils ont construit situation ça pour nous arriver là. Et ils n'ont pas d'autres monde jouer d'autres rôles. Ariel Fin joue rôle de fragiliser le pays, de continuer désinstitutionnaliser le pays à travers corruption, gabegie administrative, mise en place, prolifération gang. Tolérer environnement délétère, ça qui gagne en dans pays d'Haïti, jusqu'à ce que tout le monde prenne accepter que la situation hein, grave, gang, prend pays. Hein. C'est rôle ça, Ariel Henry, qui pour jouer, lui jouer lui avec brio, SMI, jouer par aider Ariel, jouer par Tission Pal, non monter prix gaz. Pendant gaz pas existé pour nous prendre la rue pour gagner l'orbeille dans le pays d'Haïti, mais il y a deux acteurs très intéressants qui vont être. Député Célestin, désolé, mais dans l'histoire qu'on fait là, je pense que tu as au moins partie de côté nous sortis avec cellules SAIO, base, gang, jusqu'à ce que nous arrivions là, parce que ça n'a pas vivre là, son construction liée. Donc c'est pas dans 10, 15 ans. Que nous venons ça, nous devons faire ça là. Ça nous venons là, on côté le sorti. Il y a des actions qui sont posées, ou bien des engagements qui partent, des responsabilités qui partent assumées, qui mènent nous là. Et moi, je trouve ça très bien. Moi, je fais un résumé dans l'introduction là, pour nous dire que très rapidement, société exclusion, l'Ipon en économie violente. Et économie violence, ou en bas, j'en parle de classe possédante, qui yon même servi, utiliser violence là comme un outil pour qu'ils permettent yon exister dans l'espace économique. Politique qui passe, chaque temps, parle de Jovenel comme pompe gang. Oui, là où était sur Jovenel. C'est ça, Mabzoula, là, dans l'histoire, quoi faire là-dedans. Célestin. Jovenel, c'est pompe gang. Non, Célestin. Vous attendez nous? Député, vous attendez nous? C'est ça, Mabzoula, oui, historiquement, les biaisés. Parce que ça n'a pas vivre là, je dis que son construction liée. Est-ce que ZAM, c'est sous Mounsao, il a commencé? Est-ce que c'est le petit groupe Moun, même si je n'ai pas son musique, comment je dirais, artiste là? Blizzone? Pour là, vous attendez. Donc est-ce que c'est ça? Oui, nous avons parti dans l'histoire, nous, dans le passé, nous quittons derrière. Et ça qui fait que nous ne pouvons jamais résoudre le problème. Pourquoi que ça m'a pas intéressé sur ça? Parce que Gangio joue un rôle figurant. Gangio c'est figurant, oui. Où est l'orgueil? L'orgueil de acteur qui c'est de acteur principal. Où est Gangio? Gangio en lui-même, il n'a pas existé sans présence l'État et sans présence gouvernement. C'est ça qui fait que, ouais, il y a des gens qui disent, violence l'entourage de la journée aujourd'hui, comme l'État décapité, ou qu'a parlé d'une violence gouvernementale. Et ouais, moi, parler de puissance de feu de la police nationale. Si nous allons antérieurement, on a regardé tout le monde qui jouait
pas question, mais conjoncturellement, je vais regarder exactement qui rôle qui joue. Et si vous permettez de m'avancer, je vais parler de mon distribution de rôle. Je vais parler de fonctionnaires internationaux, je vais parler de hauts fonctionnaires, l'ONU, l'OEA, et l'ONU, l'OEA, qui viennent gagner des outils par eux en tant que pays d'Haïti. L'ambassade américaine va jouer un rôle extraordinaire pendant qu'ils mettent campé comme groupe syndical diplomatique dans le secteur international là, pour construire son rôle là, pour vendre un discours pour côté gros gouvernement, pour mettre nous dans une situation que nous gagnons un grand problème humanitaire en tant que pays d'Haïti. Comme marché à son marché humanitaire, ils ont utilisé le gouvernement pour faire ça. Le gouvernement même laissé vendre gang pour créer ça, ils ont une politique jouer un rôle extraordinaire. Maintenant, qui rôle politique aujourd'hui? Pour politique, les gens qui a joué ça à cette là, bien content, nous tous nous parler de nous construire. Comment imaginer, en 2004, il y a un citoyen qui a peur, qui a monté descendre dans un hélicoptère ministre. Citoyen Salé, Moïse Jean-Charles, monsieur Lavalassien, monsieur a marché rencontrer toute base, occupation, ministre, hélicoptère descend pour la ville, lui prend monsieur, là la touche dans Cité Soleil. En 2006, dans l'opération Préval, là, Préval pour récupérer monsieur. Monsieur député XL. Tout à l'heure, tout à l'heure. En 2004, le 15 février 2004, il y a un incident grave qui arrivait. Et c'est ça que je vais parler. Un incident grave qui arrivait, comme moi-même, moi j'étais bien de l'activité anti ça qui t'a fait dans la période-là. La bande à Moïse Jean-Charles. Moïse Jean-Charles était dans l'armée, dans le niveau Carrefour Barrière Battant, qui assassinait sous prétexte que c'était moi-même, un frère qui était relé. Kitz Adrien Salvant, qui public que nous tous connaissons, qui c'est frère, même maman, nous pas même papa, qui c'est frère, yon artiste bien connu, qui est le Tinès Salvant. Je ne pas que vous rentrer dans le détail ça. Comment rentrer dans le détail ça, il y a des gens qui pensent que vous parlez personnel. Comment frère la télé, Célestin? Kitz Adrien Salvant. Bon, dit Jean-Charles, gagné yon armée, même j'en vois Iso, même j'en vois Tilapli, même j'en vois tout le monde qui gagne zam à la main. Dans la rue, fait et défait, ou barrière battant, Moïse Jean-Charles qui gagne l'armée, qui tuait plusieurs monde. Qui tuait plusieurs monde, dont yon frère qui est les 10 Adrien Salvant. C'est ça la vérité et l'histoire. Où ça s'est passé, il semblerait que l'histoire toujours nous a été compté de travers. Voilà ça l'histoire par côté de travers. Traite yo conze yo, yo pas bénéficié zak que yo posé a. Donc maintenant, en 2004, donc m'a konsi m'a établi la vérité, nous qui vont me payer moi-même. M'a pas dans même camp, m'a jamais dans même camp avec Moïse Jean-Charles. Et d'ailleurs, pour l'histoire, pour la vérité, c'est ça qui fait m'a mené combat. Moi, c'est yo nan moun, l'occupation pays a, qui te déployé en drapeau. Anti-occupation, un bandouan anti-occupation. Nous étions très minoritaires. Je suis mené combat ça. Nous connais des gens qui peuvent dire qu'on cause. Nous étions très minoritaires et nous assumé rôle comme minorité éclairée afin que demain, ce n'est pas fondation que nous allons créer pour nous dire devoir de mémoire, mais nous connais des combats traités, nous des combats causés. Si, dans la période, Charles et Peralta vie. Si les toutes les dérives qui t'ont fait sur le Duvalier, c'est que des gens qui te prennent de responsabilité pour te dénoncer très bien dans moi-même, ça privé, ça t'a privé nous là, pas t'a privé nous. Nous pas t'a pouvoir faire même barrer là tout le temps. Je continue pour nous dire, en 2004, monsieur a pas venu dans l'hélicoptère Nations Unies, marché rencontré à base la balance tout partout, y compris Cité Soleil. En 2006, Préval, M. Pral, en gros, un super employé dans le palais national, et Préval Pral fait de M. sénateur de la République. Bon, on connaît qui côté vous voulez vivre, et c'est ça qui est belle là. Le M. Pral vit un sénateur de la République.
Monsieur dit qu'il y a un passeport Michel Martelly, que Martelly c'est américain. Où est le fait? Il y a un anonyme. Si monsieur était jamais présenté passeport, soyez là, Radio Caraïbe, bien soyez. Monsieur va jamais présenter passeport pour que Martelly soit américain. Son ambassadeur américain dans cette période-là, qui vient avec un combat contre les gens, on crée un combat contre les gens qui sont dans le pays d'Haïti. Nous, ça, et au bien fond, ça, tu apprends créole, ça, pour dire, il va dire, Martelly n'est pas américain, non? Il dit, Martelly, c'est haïtien. Donc, ambassade américaine, c'est lui qui fait office d'archives nationales, ou bien de n'importe qui instance qui produit, qui laisse, qui haïtien, n'importe instance nationale. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Ça qui est intéressant dans tout le dossier, ça. Sophia Martelly, Madame Michel Martelly, parti pour voler un siège sénateur dans le pays. Le conseil électoral a baillé Sophia Martelly cadet. Sophia Martelly a avoué que lui-même, c'est américain lié. Bon, il mettait un journaliste en défi. Pour dire qu'il est mort, il y a déjà parlé de ça. Parce que, ils ont conclu un deal. Qui deal qui t'a conclu? Et là, tu es un ministre finance dans la période ça. Mounsa a refusé de parler. C'est OMFX, OMLI, Litex, Marcel Prince Armand Désir là. Ou est comportement et net ça, comportement moun qui refuse de parler. Ils ont fait tort à Pénia aussi que moun qui a agi. Maintenant, bon deal qui conclut pour financer la campagne Moïse Chachal, Moïse Sajan Balé de Sophia Martelly. De toute nationalité, Sophia Martelly, bon deal qui conclut pour financer la campagne Moïse Chachal, et Moïse Chachal, Téretetli Bajan Balé de ça. Et yo paye là. Qui est-ce qui mène l'opération, ça, mes frères et sœurs, qui a coûté là? Opération, ça mène par Régis, docteur. Réginald Boulos, qui dans cette période-là est éminence grise, Martelly. J'étais tellement éminence grise, Michel Joseph Martelly, président. Les Martelly besoin de débarrasser, de associer, de complice Laurent Salvador Lamotte. Monsieur créé une commission parlementaire dans cette période-là pour Réginald Poulos pour présider la commission ça. Nous sommes quelques personnes qui étaient dans la commission ça. T'es un Evans Paul Catherine. T'es un de regretter mémoire. Zamim et Zamim Gimouria. Jean-Gabriel Fortuné. T'es gagné un ancien sénateur dans le Nord. Monsieur Rélé, Ronny Modestin. Commission ça sorti avec un ensemble de résolutions. Dont le limogeage de Zami Matelia qui était relé Laurent Salvador Lamotte. Campagne électorale vient à fête, qui est-ce qui prale chef cabinet Maurice Jean-Charles, yon moun qui était secrétaire très proche Poulos, c'est lui-même qui était prale chef cabinet Maurice Jean-Charles. Oh, ça, ce sont des faits. Qui est-ce qui était chef cabinet Maurice Jean-Charles là? Luc Célestin. Qui est-ce qui était chef cabinet Maurice Jean-Charles là? Secrétaire et donc au proche Réginald Boulos. On va chercher qui est qui était chef cabinet Maurice Jean-Charles. Non, non. Les Maurice Jean-Charles étaient candidats. Tout bon, non. Tout bon, non, non. Nous pas besoin de chercher lui. Les journalistes, non, mais mettez avant. Si exercice ça, mes amis, ça, vous voulez, nous tous nous connaissons. C'est Réginald Boulos. Pour bon, qui ça a été placé Mounsa, il a été placé Mounsa pour avoir un contrôle total de qui ça monsieur fait. Parce que c'est lui qui finance monsieur. Donc, là, Jovenel Moïse, élection passée, Jovenel Moïse président, mais tout pendant la période, Moïse Jean-Charles sénateur de la République, Jovenel Moïse, membre cabinet. Moïse Jean-Charles. Pas oublier ça, non? Jovenel Moïse, même cabinet Moïse Jean-Charles. Moïse Jean-Charles pas jamais assumé Jovenel Moïse comme Zamil. Au bon dire, tout le monde connaît Jovenel Moïse, c'est Zami Moïse Jean-Charles. C'est un enterrement
Jovenel Moïse. Dans l'enterrement Jovenel Moïse, il y a un grand leader politique qui a suffisamment de sécurité. Pendant que vous cherchez tout leader politique pour te brûler ou tuer Moïse, Jean-Charles, dans le premier rang, dans l'enterrement ça, monsieur tellement proche famille là, monsieur même rivé dans la circonstance ça. Marie-Martine Moïse mourit, Moïse Jean-Charles tellement connaît, comme il y a de famille là, qui est black pour le bail, il fait matinerie dans la circonstance ça. Donc, monsieur son élément comme ça. Monsieur toujours à cas. Monsieur toujours, c'est un qui toujours à caché, qui a des relations troubles. Et c'est ça que c'est. Moi-même, je dis, là, monsieur dit, il était dans l'aéroport aux États-Unis. Il était fait le ceci, il était fait le cela. C'est une mise en scène. Ça est pour te permettre de travailler plus bien pour les gens qui ont travaillé avec là, pour te gagner ses parties. Bon côté, non seulement parce que monsieur toujours a joué victime, monsieur son être qui toujours dit pop, la beauté l'argent tout côté. La beauté l'argent tout côté. Mais monsieur toujours dit le pauvre. Monsieur va jamais de pouvoir. Il était dans le palais national, il était sénateur. Ou va jamais donner nos textes de loi. Mais ton journaliste en défi pour dire mon texte de loi que Moïse Jean-Charles t'est proposé, ou bien il t'est appuyé. On seul bagage l'appuyé. Monsieur qui anti-impérialiste, monsieur qui socialiste, monsieur qui anti-occupation, anti-américain, monsieur qui marché, CIRH. Ou est vérité ça, que moun qui pas doué comprendre toujours dans le pays d'Haïti. Je fais trop, et c'est vérité ça, yo. Christ Célestin. Moi-même, je dis ça. Pour ça, le pays a fait pour moi, il faut que aide le pays à reconstruire tête li, refonder tête li. Monsieur qui marché, CIRH, il vote CIRH. Pour Bill Clinton saboter combien de milliards de dollars font reconstruction pays, mais nationalistes. Maintenant, allons arriver sur Ariel. Non, avant arriver sur Ariel, Célestin, il y a mon cas. Non, pas sur Ariel. Non. Moïse Jean-Charles dans la période Ariel. Ah, ok. Il vient parler de Ariel. Il quitte Ariel. Maintenant, Moïse Jean-Charles, après l'homme Ariel, il va prendre récompenser, monsieur. Non, l'homme Jean-Charles. Avant tu es Ariel. Après le mot Jovenel. Mes amis, après le mot Jovenel, même là, oui, l'on dit Ariel, l'on dit Jovenel, pas de différence, non? Et même là, il y a des bouillons. C'est ça, et après le mot Jovenel. Après le mot Jovenel, ils ont pris le récompenser, monsieur. Ils ont laqué un poignet, monsieur. Monsieur, plein consulat, oui, quand on m'a parlé là. Quand on m'a parlé là, il va se l'engager, on a parlé. Non, mais semble interview, c'est contre Moïse Jean-Charles. La journée, jour, n'a enquêté. Parce que moi, on ne peut pas dire ça aujourd'hui. Je me dis que je Caraïbe. Ouais, et Pierre Renel était tellement patient avec nous pour nous faire interview. Je suis content que je me blague dans le projet de Pierre Renel. Député. Oui, donc. Semble interview à l'issible. Pas seulement ministre intérieur qui n'a pas eu Moïse, non? Et ça fait longtemps. Depuis le ministre intérieur, c'est Moïse Jean-Charles qui a dirigé l'autre. Monsieur Charles, petit consulat. Que monsieur a mis six hommes ici, madame, même gens, monsieur anti-américain, toute famille, monsieur, aux États-Unis, mais pas de problème, non, famille, monsieur, pas monsieur, mais monsieur, pas j'aime d'entendre, monsieur, sympathisant, Léo, madame, pas j'aime d'entendre, monsieur, parler dans la radio, pour le dire, femme, Léo, et pas une seule femme, non, femme, Léo, c'est aux États-Unis, oui. Petit Lio, c'est aux États-Unis à étudier, c'est dans une grande université. Je suis bien content, Livo et Petit Lio, l'école. Je suis bien content. Mais pour qui ça tout menti, ça, yo? On a fait un pays comme si les gens qui ont trouvé tout bon vrai, il a passé comme si yo pas gagné à faire. C'est vagabond qui a piraté la lutte des Parisiens. Hein? C'est yo qui gagne le vent, qui a dit que yo anti, et puis personne refusé. Nous refusons de dire camper là. C'est yo bel micro pour yo parler tout le temps. C'est yo, yo pas même poser aux questions qui nécessaires. Ma chambre de nos journalistes poser Moïse Jean-Charles question, ça le cap fait dans l'hélicoptère ministre, et puis qu'on y a là, li anti-occupation. Après la mort, Jovenel Moïse, il a récompensé monsieur. Monsieur Barguin, ministre intérieur. Et c'est là,
monsieur pral jouer un rôle. Ministre intérieur pral financer. C'est un bagage que en pile on nous pose cette question. Moïse même gouvernement et puis gouvernement financer tout à travers Moïse. Et pas des business et monde transmoyen là non qui classé. Et là pendant que courage pour nous dire monde que Moïse après les oligarques tout nous aura. Imagine.